Donner à voir, donner à entendre. Comment entendre des sons sur une toile? Qui plus est, ceux du bruit, de la fureur et de l'effroi. Par ce magnifique tableau, par ses dimensions exceptionnelles, par ses couleurs et l'originalité de son sujet, voici qu'après 8 ans de labeur sur cette toile, qu'il considère comme le meilleur de lui-même, Albert Ménian nous donne à voir ce qui s'entend. Il personnifie les envolées des cloches de l'église de Saint-Prix par des génies hurlants. La toile respire ses cris et cette fureur, évoquant l'alarme d'un incendie provoqué par le bombardement de la ville de Strasbourg lors de la guerre franco-prussienne. L'étude des corps, l'enchevêtrement complexe des cordes, rappelle la démesure de Michel-Ange. Et tout cela dans une économie de teintes. Dans une lumière d'incendie, des corps arc-boutés s'agrippent à la haute cloche de bronze. Le tocsin prévient de la catastrophe et enjoint à la population de se mettre à l'abri. Une toile qui résonne doublement à nos oreilles et à nos yeux aujourd'hui.